Bonsoir à tous, hein, pour ceux qui sont sur la chaîne Twitch. J'ai quitté l'avocat, vous inquiétez pas, c'est prévu. Tu castes? Oh, t'inquiète, hein. Ah bah oui, hein. Ah bon? C'est toi du coup? Oh, tu sais, c'est pas vraiment grave si tu restes, hein. Wow. Mais pourquoi tu castes? Parce que Chart il pourra pas être là à 21h. Oh mon dieu. Tu veux que je trouve un caster? Bah c'est rien, hein. Écoute, hein. Il va arriver. Vous l'avez demandé en ami ou pas? D'accord. Moi je vous invite, moi je quitte. Hein. À tout de suite. Ça.
Salut. Coco, t'es là ou pas? T'aimes bien les gens? Bah gros, ouais, je suis tornadologue. Oui. Ça va ou quoi les gars? Ouais, c'est toi. Tranquille, on est là. Hein. C'était France normal. Ouais, ouais. Allez les gars. Ouais. Il est pas là mon petit joker? Bah il joue pas ce soir. Ok, on l'a mis au dommage, point. Dommage, j'aurais voulu jouer contre lui. On l'a mis au point, il est pas sage. Vous allez bien la FM? Nickel et toi? Nickel, nickel. Et j'appelle la FM, tu vas faire quoi? Tu vois, y'en a une nous hagale une fois, lui nous hagale double fois, tu vois. Ouais, c'est carrément ça. T'as tout compris, mec. En plus, 69, hein. Eh ouais, bon. Après, il fait ce qu'il veut, qui veut. Il fait deux fois 69, t'as tout compris. Si tu finis pas avec un tampon à la fin, je comprends pas. En plus, il est gay, le bâtard. Hein. Eh, Coco, il est dans votre vocal ou pas? Non, non. Non. Il a mis la tête du jeu, il a quitté le studio, on va la preuve. Ah, je vais dire de venir dans la note, tu vois, c'est pas que j'ai pas confiance, mais bon. Bah du coup Ouais, peu là. Comment? Il veut nous carotte un peu là, hein. Voilà, et on va te faire quel nouvelle. Il est dans aucune vague. Si tu veux, je stream toute la game, hein. Tu verras, il est pas dans la... Oh bah non, bah c'est tout. Après, y'a pas de raison à tricher, tu vois, c'était totalement con, mais bon. Mais c'est comme j'ai dit à ça. En plus, dans un tournoi à nous, c'est mieux qu'au truc dans un tournoi à nous. Ça sera encore plus... Vous avez joué la Ecclesia? Ouais. On a gagné. Combien? 7-3. Je sais plus. Bon, 7-2. Attends, Jordan, viens, vocal, s'il te plaît, viens, vocal. C'est la TSF, on a fait 7-2, 7-1. Ah, mais c'était pas le même tournoi. Mais c'est pas grave, on les a quand même souillés. Parle bien, petit. Jordan, viens, vocal, deux secondes. Viens, vocal. Moi, je vais vous servir un verre, gros. Ah, bah, non. Jackpot, il y en a bientôt plus, Alex, faut que tu viennes, hein. Putain. Enfin, tu vas racheter une bouteille, hein. Ok. Quel bonheur. Putain, je connais pas encore mes gens de repos pour venir, moi. Oh, j'ai payé à cause de toi. Ouais. C'est parce que t'as bien mangé, ça. Tu me casses cette team, moi j'en ai marre. Mais oh, pour une fois, c'était pas un préjugé, tu vois. Clairement, je pense, tu vois, ça venait pas amener charmant, tu vois. C'était tout le monde baille après avoir bien mangé. Tout le monde est fatigué après avoir mangé. Ouais, ouais bah l'attente pour en revenir avec les autres, désolé. Vous avez vu sur quelle map? Oregon, dans le club. Bonsoir à tous. Bonsoir, ouais. Tout seul. Bonsoir. De base, c'était pas moi qui devais caster, mais bon. Ça fait rien, on est mieux servi par soi-même. Il y a eu un petit malentendu. Un petit retard, il y a un petit. Bon, j'espère, Laston, vous êtes en forme ce soir. Toujours. Toujours, non. Moi, j'espère que ça va être un bon match très serré, parce que je vous cache pas, hier, je me suis emmerdé. Je moi je suis cash. faut pas s'habituer à ça. Pas moi, il y a des fois. Très bien, un peu cru là. Bon, parfois on se fait chier aussi quand on regarde les rediff. Hein, les castes ils sont nuls à chier. Ouh. Pas forcément toi, mais il y en a. C'est pourri quoi. Je vais pas parler parce que. Qui c'est qui a dit ça là? J'ai pas entendu là. C'est Shinra, après je parle pas forcément de toi, tu vois. Après, bah écoute, après, il essaie de prendre ma place, il essaie de caster. De base, moi je devais pas caster pour des raisons personnelles. Est-ce que j'ai dit que c'était toi? Non, j'ai pas dit que c'était toi. Non, mais moi, je te dis direct, cash, hein, surtout qu'il faut pas me trop me chatouiller, c'est pas le moment. Non, mais tout se prêt, moi je lance pas tant que c'est pas prêt. Bah, c'est la base. Bonne chance à vous, les gars. Bon, les GL, les gars. Bon match, là, STM. Ah, attendez, je règle un problème avant. J'ai la chef. Bon allez, je vous laisse. Attention, n'oublie pas tous les agents, ils sont acceptés. Hein, attention, les...
Sentez pas votre rapid fire au CS ou au Cronus, hein. Tu as précisé en cas où. N'oublie pas qu'on est là pour jouer amicalement, on n'est pas là pour se prendre la tête, hein. La défaite fait partie des choses. Et il faut être sérieux, hein. Après, si vous perdez, hein, c'est la vie, hein. On va pas faire la machine en arrière, hein. Hein, c'est le but, hein. Bon, j'attends 27 secondes, dans les 27 secondes, je lance, hein. Ça vous va? Ça marche. Ça va. Bah, le temps que vous êtes là, vous allez peut-être faire les grades, ce sera plus direct. Allez, c'est parti, il y a du P2 du côté d'Astorn. Bah, lui il est pas gradé, bah, on saura pas son grade, c'est dommage. P2. Et Copper 5. IQ, peut-être. P3. Et P1. Du côté de la Devil Watt, allez, on y va, il y a du P1. Ouais, c'est bon. Il y a du P3. Oh, ni la merde. Il y a du P2. Il y a du P2. Et il y a du hors 2. Mais comme on dit le proverbe, les grades ils pourront rien dire. Hein. Il y a des fois on se fait. Après on peut se faire se poser le cul, hein, comme des diamants. Hein. C'est la base. Hein. Je vous cache pas dans. Je souhaite pour vous un plein tirage que vous allez tomber sur la poule B parce qu'ils ont. Ils ont du. Il y a du niveau, hein, on va dire. Ouais, il y a du champion et diamant, et je peux vous dire qu'il y a du niveau. Hein. Bon, en tout cas, GL. Allez, hop, fini de raconter sa vie, on y va. C'est pas tout. Allez, c'est parti sur la map Oregon. N'oublie pas qu'après, il y a un autre match à caster à 22h30. J'espère que Shert il sera un peu plus présent. Bon, de base, je devais pas caster, mais bon, j'ai pas le choix. Putain, il y a pas moyen de se reposer, c'est un truc de ouf. Allez, c'est parti, Tatcher qui a été ban. Putain, les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent critiquer comme ça derrière? C'est un truc de ouf. Mon dieu. Ash qui a été ban. Ah bah, celui qui a l'habitude de jouer Ash et Tatcher, et ben, il pourra pas jouer. Ah, ça, c'est vraiment con. Bah, j'espère qu'il arrive mieux à jouer peut-être notre agent de base. Mais bah, il est pas dans la merde. Allez, Vigile, Vigile, il sera pas invisible, hein, sans ce coup-là, mais bon, c'est la vie. Il y a des choses à ouvrir. Hein. Le dernier, je suppose qu'il doit avoir un petit Mira qui se balade, je sais pas pourquoi, mais bon. Peut-être qu'ils vont battre Mira, une intuition. Et non, et là, tiens, ça m'étonne qu'ils ont pas ban Mira. Allez, la phase d'exclusion est terminée, on va passer à l'étape suivante, on va voir leurs BP qu'ils vont choisir en attaque et en défense, hein, leur copo de base, et on va voir s'ils sont efficaces, qu'ils s'y prétendent, hein, et bon, après les gars ne vont rien dire, hein. Ils peuvent se faire exposer le cul, hein, comme tout le monde. Hein. Et on va partir sur un BP réserve, Buandry, du côté de la Devil Watt, avec Mute, Goyo, ah, Clash, Goyo, Wenmei, Jacker, Smoke, Maverick, IQ, Nomad, Beck, et Sophia. Peut-être qu'il va avoir le pic du 6ème choix. Qui sait. Et ouais. Le 6ème pic du 6ème choix. Mute et Jackal. J'espère que le 6ème choix a été bien choisi. Efficace. On va voir ça. D'ici quelques minutes. En direct. On va voir comment ça va se passer. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. Allez, c'est parti, on y va. La défense du côté de la Devil Watt. Bon, j'espère que le match il sera un peu plus longtemps parce qu'hier le match a duré 30 minutes. 30 minutes pour caster, je me suis ennuyé un peu, on va dire. Bombe localisée par Alpha. Coucou, bonsoir. Bonsoir à tous, pour ceux qui sont sur la chaîne. Hein, pour information, hein, comme tout le monde. Après, dès que le match est fini, ça transfère sur la Devil League. En réserve, s'il y en a qui veulent revoir le match, au cas où, pour leur strat. On va voir comment ça va se donner, la Storm. Hein. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ah bah tiens, pourquoi tu casses sur Twitch? Bah, moi je vais vous le dire pourquoi je casse. Il y a un décalage. Vous savez pourquoi le décalage? Pour éviter les stream hacks. C'est très intéressant. Allez, c'est parti, on y va. Bah lui, c'est dommage, on voit pas son grade. Faut peut-être que je vérifie son PSN, comme ça je le saurai.
T'as son détection, Chacal. Alors, tom. Ça m'a fait mon rachet, faut que je recharge. Gaffe à l'impact, Max Express. Allez, on est passé en 5v4, toujours l'avantage du côté de la dévie. What? Oh, le petit grenade qui a fait très mal du côté de la dévie. Ah bon. J'ai cru que j'aurais pas tapé dans le truc là. Là, on est passé en 4v3. Attendez, je vérifie pour être sûr que je me trompe pas. Alors, la personne que j'ai pas su avoir le grade, il est hors 1 la dernière saison, comme ça. C'est pour ça qu'il a pas voulu jouer sur son compte, mais au moins j'étais vérifié. Allez, c'est passé en 4v3, toujours l'avantage du côté de la Storm. La Storm qui a quand même fait descendre Kraken, qui j'espère qu'il a pas trop souffert par lui-même. Attention, Zeko qui lâche pas prise. Allez voir du côté de V2. Attention, ça va être un duel entre les deux les équipes. Attention, aïe, ça fait très mal. Bien joué du côté. Ah, ça va extra vite. Bien joué du côté de la Stern. Shiro qui a assuré ce kill. C'est vraiment dommage. C'était trop rapide à mon goût. Sérieux. Écoute, hein, c'est choix de la vie. Hein. Allez, c'est parti, on y va. On va partir sur ABP Beyond Reserve. La compo de base qui a été choisie. Il y a Mute, Goyo, Wenmei, Jacker, Smoke, Maverick, EQ, Nomad, Ibana, Sophia. Peut-être qu'il va y avoir le sixième choix qui va être choisi soit du côté Storm, soit du côté Devil Watt. Qui sait? Et oui, j'ai vu Jackal. Ah, il a fait son petit malin tout à l'heure en vocal à la fin, je l'attends. Hein. Je crois quand je lui ai balancé son grade hors 1. Le petit cachoutier. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. Allez, c'est parti. Hein. Moi, je m'en fous, faut que ça se lâche. Allez, on repart tout en bas, on va voir comment ça va se passer du côté de la Devil. What? Bombe localisée par Alpha. Il reste 10 secondes. 5 secondes avant insertion. Alpha avance pour désarmer une bombe. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir l'histoire de la bombe. Exo. Qui va passer sur le côté chantier. Pour essayer d'avoir la formation. On va voir si c'est efficace. Et on est passé en 5v4. Ah, la grenade qui peut faire très mal. Il l'a mal lancé, on va dire. Est-ce qu'il pyrille? Là on est passé en 4v4, un Traken qui est tombé comme une mouche. Rien à dire contre lui. Le pauvre. Aïe 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 aïe. Ça va, il se travaille de chaque côté. Là on est passé en 4v3. Ah, la petite grenade qui pouvait faire beaucoup de dégâts, mais bon, ça n'a pas réussi sur ce coup là. On va aller voir du côté Jordan. Est-ce qu'il va avoir la formation? Gers qui se met en position.
Et j'ai pas vu que hier ce qu'il avait mis une petite fleur sur son pistolet. On dirait une marguerite. Allez, Yers. Qui se met en position. Du côté. Attention, ça va être en 3v2. Il est blessé, mon ami. Il ne va pas prendre le risque. Attention, c'est pas allé très vite. Et non. Bien le joué de la part de Storm qui a assuré. Là, on est passé à 1v1. Parce que vu qu'étant donné, l'autre joueur, il est blessé. Est-ce qu'au casque, il va faire tomber. Peut-être qu'il va essayer de le ranimer. Non, il n'y a pas eu l'information. Jordan, qui a eu l'information. Qui veut peut-être pas reprendre. Il essaye de prendre le risque. Il y a 37 secondes. Allez, ça sent de la côté de la pause. 1v1. Bien joué de la part de Jordan qui a assuré le kill. On voit qu'il a bien tendu la pause. C'est vraiment dommage, c'était bien tenté. Et là on va partir sur un score de 1-1. Allez, 1-1, c'est un match très serré. On va partir sur un BP dortoir. Une dortoir principale avec la compo de base qui a été choisie. Maestro, Bandit, Jacker, Watme, Smoke, Maverick, EQ, Jackal, Nomad et Sophia. Voilà. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Allez, c'est parti, au revoir. C'est en train de se mettre en position du côté de la Duvillois. Un dortoir. On va voir comment ils vont faire. Et les strats pour se mettre en position. Les rapports des kills. Ah, vous savez que cette personne-là. Mon fils, il est hors 1. Pour information, j'ai été vérifié sur les stades. Il reste 10 secondes. Terminé. Il faut pas être déçu. Rechargeur, équipement activé. Alpha fait mouvement pour localiser. Ah mon dieu. Nouveau chargeur. Système paré. Ok, j'avais pas compris, mais bon, tant pis. Je vais raccouquer. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Oh, bien joué de Jordan qui a su faire tomber le petit joueur agent spécial. Et Wix. Et Z, Wix, je sais pas comment ça se prononce, mais bon, je sais pas où ils vont chercher les noms. Ah, il y a des fois, ils vont chercher des noms un peu. Compliqué. Moi je vais peut-être m'appeler Propon Girl. Ça va bien. Caster Propon Girl. Ah, Dieu, Alzo il fait des trous hein. Putain, je l'appellerai pas chez moi hein. Yes. Là, il se met en position pour essayer de repérer pour avoir quelques kills de la part de la Deville. Peut-être qu'ils vont essayer de tenter pour avoir la formation. Allez, on va aller voir du côté Chihuahua. Ah, il y a la formation qu'il peut avoir, c'est dommage. Il a blessé Traken. Traken, il est pas à sa forme aujourd'hui, je sais pas. Je l'ai peut-être perturbé en vocal. Qui sait. De toute façon, la tête à l'envers qui peut faire très mal. Il y a eu la formation, il a pris très cher sur ce coup-là. Il va prendre aucun risque, il va se retirer. Là, on est toujours en 5v4.
T'as son petit Capcom qui peut faire. Oh punaise. Izeko, qui l'a pris très cher. Tout est paré à exploser. Toc toc. Et c'est Izeko qui va essayer d'avoir la formation. Là on est passé en 4v3. Toujours avantage du côté d'Astorn. Et ça drosse. Allez, on y va. On les voit du côté de Manfix. Qui est toujours à la traîne, je sais pas pourquoi, mais bon. J'ai entendu la formation. Encore 15 secondes. 15 secondes, il est temps de poser. Moi, je veux rien dire, mais bon. Là, on est passé en 3v3, c'est équitable, équilibré de chaque côté. Là, on est passé en 2v2. Une petite double kill. Et Jordan qui va essayer de tenter. Les assaillants ont déployé le désavantage. Ok, ça fait très mal. 1v1, ça va être un duel. Ah, bien joué de la part de Jordan qui a assuré ce petit doublette. Qui est maintenant qui va désamorcer cette bombe. Tic tac, tic tac, tic tac. Voilà. Bien joué. Ah, c'était dommage. C'était bien joué de la part de Storm. Bah hein, écoute, hein, vu son stade, hein, c'est pas ce que j'ai vu, hein, mais bon. Pas la dernière saison, ni la saison d'avant. Bref, je passe à l'étape suivante. On va partir sur un VP salle de réunion, salle de cuisine, avec la compo de base qu'ils ont été choisis en attaque et en défense. Il y a Castle, Doc, Maestro, Jacker, Mute, Maverick, Sledge, Ibana, Nomad et Sophia. Peut-être qu'il va y avoir un 6ème choix qui va être choisi. Soit en attaque, soit en défense. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. J'ai pas compris. Désolé, je regarde pas trop la vocale. Si vous demandez que si je joue R6, je joue de temps en temps, pas tout le temps. En fait, je joue quand j'ai envie. Il y en a, ils ont des envies de je sais pas quoi là. Allez, Jordan qui est en train de faire des trous droite à gauche là. Le dépannage de service, hein, vous voulez appeler Jordan, hein, il vous fait des trous, il aime bien. Years, il se planque. Dans le couloir. Il va faire une petite chasse, une petite cache-cache. Years, je t'explique, il n'y a pas de champignons par terre. Oh. Bon, Years qui commence à faire ça, c'est que il est en train de s'énerver. J'imagine. J'imagine pas du coup ce qu'il est en train de faire. Bon, hier, tu vas te calmer. Il est très énervé. Negra de estimation P1 P1 hors 1 P1 hors 2. Je sais plus, c'est du hors 2. Hors 2 P1. Je sais pas ce qu'il fait hier, mais bon, il est en train de dessiner, je sais pas quoi. C'est un truc dans le bois. On va arriver jusqu'à la fin de ce qui va se présenter, mais bon. Ça représente quoi ça? Ah. Et voilà, Yers. Ah, d'accord, j'ai compris ce qu'il a voulu marquer, Enix. Là on est passé en 4v3. Le désamorceur d'Alpha a été abandonné. Les assaillants ont récupéré le désamorceur. Elle est toujours à l'avantage du côté Storm. Ah, il y a eu la formation du côté de la Devil. Et
Il va essayer peut-être tenter. Là on est passé en 3v3. De toute façon c'est équitable, équilibré de chaque côté. X-Wix. Prenez place. 3v2. Toujours avantage du côté d'Adiville. Attention à la formation qui risque de faire tomber de chaque côté. Ah c'est dommage, c'était bien tenté. Aïe aïe aïe, c'est comme ça se faire prendre un pas d'arrière. J'imagine pas ta place, mais bon. Allez, le joueur qui reste tout seul. Le tir cloche 1v3, est-ce que tu peux le faire? Et non. Et bien sûr, Jordan qui a assuré le dernier kill pour remporter cette manche. Oui, applaudir. Bon, moi, je peux pas applaudir, hein, désolé. Mais bon. Allez, c'est parti, on va partir sur AVP, Buandry et réserve. Avec la compo de base qui a été choisie en attaque et en défense. Il y a Mute, Gaio, Wayme, Jacker, Smoke, Maverick, EQ, Montane, Nomade et Sofia. Voilà, tout simplement. Peut-être qu'il y aura un sixième choix qui va être choisi d'ici quelques instants. Et oui, du côté de la Storm qui prend Montane et puis que à l'avant il était Montane de base. C'était un petit bras qui, on va dire entre guillemets. Il y a l'habitude des gens qui font ça en fait. Faut croire qu'ils changent d'agent et puis en fait ils changent pas. Allez, c'est parti, on va sur un score de 3-1. On va aller voir les scores au niveau des kills. Hein. Qui fait qui qui arrive cette game, le Jordan. Et du côté de la Storm, c'est Elzo. Elzo pour l'instant. On va voir comment ça va se passer. Par la suite, entre guillemets, on va voir. Là, j'espère qu'ils vont savoir gérer. De toute façon, là, ils ont pas le choix, on va dire entre guillemets. Ça va être compliqué. Allez, un petit carré comme ça de caché, on y a plus de place pour regarder. Il reste 10 secondes. Allez, on va voir comment ils vont gérer. La Storm peut essayer de prendre le BP du côté de la Devil. What? Alpha avance pour désarmer une bombe. Ouais, ouais, ouais. Dans la Devil Watt, hein. N'oubliez pas qu'il y a Devil Esport et Devil Watt. Il y a deux rosters. Hein. Il y a un troisième roster, mais il est en test d'un mois. Hein. C'est l'exigence. Allez, c'est parti. On va rester. Tiens, Ray, on le voit pas beaucoup en action là. On va voir comment ça va se passer. Les assaillants ont localisé une bombe. Son. Ça peut aller très vite. Il y a eu la formation. Ah, ah c'était risqué. Passer comme ça devant, qui tue son collègue. En plein champ de tir. Et voilà, voilà, tout se paye. Il doit leur vouloir à mort. C'est obligé. Là, on est passé en 4v2. Il s'est pris une balle perdue, le pauvre. J'imagine pas sa place. Qui fait pas très cher, bien joué de la part Manfi qui l'a pris très cher. C'est quoi ce bug là, l'agent qui se disparaît là comme ça dans le mur là. X 1v2, attention, une petite doublette. Peut-être qu'il va peut-être faire le petit cloche et 1v2 qui reste des côtés de la Devil Watt. Avis difficile, attention, hein, il court partout. Il va prendre plus seulement de la face de l'autre côté pour essayer d'avoir la formation. Et en plus il y a son collègue qui l'attend après essayer. Mon ami il va se mettre en position, il va les faire tomber comme une mouche. Ou bien c'est peut-être lui qui va peut-être lui tomber comme une mouche. Ah, il prend pas le risque. Il essaie d'avoir la formation, de toute façon Yers. Qui a eu la formation, qui va essayer de le chercher après lui, essayer de le faire tomber. Le nid est prêt. Là, le petit smoke qui bloque tout à 58 secondes, c'est difficile pour lui. Allez, il est bien caché derrière. Il n'y a pas eu peut-être la formation qui va te faire tomber le premier. C'est hier ce. T'as soit qu'il peut prendre très cher, il prend pas le risque, il va faire le grand tour. Voilà. Il a vu que c'était compliqué, il pouvait pas rentrer par là. Il a dit allez je tente par derrière. De toute façon j'ai pas le choix, il reste 28 secondes. En plus que j'ai pas la bombe, il faut que je la récupère.
Ça va être difficile. Bah non, il va peut-être pas récupérer la bombe. Je pense qu'il va chercher les kills. C'est l'info qu'il peut faire. Et là, il prend très cher par derrière. Il a plus beaucoup de vie. Ça va être compliqué pour lui. Ah, il a blessé. Attention, hier, est-ce qu'il s'en trouve tout seul? Et bien joué de la part de Stone. C'était dommage, t'es bien tenté. Bien joué. Ah, il a fait le petit clutch 1v2. GG. Allez, on perd son score de 2 à 3. Attention, il n'y a que un point d'équerre. Hein, ça peut faire très mal. Doit localiser et désarmer le plus. Allez, c'est parti, on y va. Allez, dernière défense du côté de la Devil Blues. Pourquoi j'ai dit la Devil Blues? Je sais pas pourquoi, mais bon. La Devil Wad. Je me crois dans le jazz, c'est pour ça. Et la Stone, après, il passera leur défense. Je suis fatigué, moi, ça se voit. Allez, c'est parti. Ils ont peur au dortoir. Allez. Renforcement de cloison. Allez, 5v4, allez. Et il a bien géré son Maverick, lui. Hein. C'est bien. Et on est passé en 5v3, toujours l'avantage du côté de la Devil, la Watt. Allez, on va continuer en attaque. 5v2. La stand tombe comme des mouches assez rapidement. Il reste toujours une 1044. Formation. Ah et non, c'était dommage, t'es bien tenté. Ah, il a pris Trudrix et voilà la Devil Blues qui remporte encore cette manche. Il y avait du monde sur Snap, sur la chaîne. Quelle discussion. Alors. C'est-à-dire qui, indication. Allez, on va partir sur BP, hein, sur dortoir du côté de la Storm, qui choisit leur copo de base avec Smoke, Echo, Jacker, Kaïd, Iger, Maverick, Jackal, Ibana et Sophia et Miluzi. Voilà les deux choix. Ils ont été choisis du pic. Et là, on va changer de rôle. On va voir comment ça va se passer de chaque équipe. On Alpha est. Doit trouver et désarmer des bombes. Ils sont à un score de 4 à 2. On va avoir quelques kills. Alors, que je regarde de ce que je vois. Eh là là, il joue le focus et double.
Alpha fait mouvement pour localiser une bombe. Bon. Oui, c'est moi le Batman Coco. En personne, en direct, comme ce soir. Vous avez un problème contre Batman Coco? Je sors l'appli mobile. Allez, je vais vérifier quelque chose. Allez, hop. Nous, on est passé en 5v4. Offensive prête. Action. D'accord. Et on est passé en 4v4. KD1. 1v3. De toute façon, certains, tout ça, ça va être compliqué pour lui. De toute façon, ça sent la pause. Eh non! C'était bien joué là, 1v2. 1v1, attention, ça va être entre Jordan. Ah, c'était dommage, c'était bien tenté. Bien joué. Alors, je clique ça, je mets ça ici, tiens, hop. Vérification. Allez, on va partir sur un BP dortoir principal. Allez, on est reparti. Attention, il y a Echo. Qu'il est dans le style de jeu. De toute façon, ça peut faire très mal au niveau de la pause. Delta, pour information. Je regarderai sur le prochain diffusion de base. Alpha fait mouvement pour localiser une bombe. Non, pour l'instant, je vois pas de CS en direct là actuellement.
Désolé ce contre-temps. Allez, on va partir sur un BP armerie. On est en 4v5, pourquoi? Ah bon? Alpha doit trouver et désarmer des bombes. On est parti tout en bas, hein, on va voir les scores. Ah oui, c'est vrai. J'avais pas vu. Désolé. Oh, il y a Yers qui vient de revenir dans la partie. Ah d'accord, il y a Cratch. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Du côté de la Devil Watt. Hein, du côté de Eastwix qui est blessé. On va voir comment ça va gérer Traken qui est en possession. Double hangar 69, je sais pas du qui était chercher son nom lui. Bon, en tout cas c'est bien, c'est j'ai pas vu de CS, hein, c'est déjà principal, c'est bien. On a dur. Là on est passé en 3v3. C'est équitable, équilibré de chaque côté. Les assaillants ont récupéré le désamorceur. En tout cas de Cronus j'en ai pas vu, à mon point de vue. Après Rapid Fire, non, parce que j'étais vérifié. Il n'y a pas de rafale assez rapidement. Pour moi, c'est clean. Allez, on va y voir avec HSGO. Là, on est passé en 3v2. Ça va être compliqué. Il n'y a pas eu la formation Assassin Smoke qui met. Il sait qu'il est là. On va pas prendre le risque. Le désamorceur a été récupéré par Alpha. Station lésion. Du Longuien qui a essayé de le faire tomber. Bien joué. Et non, il s'est pris par derrière. Ah, ça va être un duel un peu compliqué du côté de la Devil Watt. Un 1v2. S'il peut, il peut le faire à 57 secondes. Mais il n'y a pas eu la formation. Ça va être compliqué pour lui. Ah, peut-être derrière. Bien joué de la part.
Il a eu le temps de se barrer. Et non, voilà la Storm qui a assuré ce qui pour revenir sur ce score 3-6, si je me trompe pas, si j'ai bien suivi jusqu'à là. Écoutez vos commentaires, hein, si vous voulez raconter votre vie, allez voir ailleurs, hein, déjà de 1. J'ai pas détecté de CS ni rien. Allez voir les annuaires, hein, les clips, puis après venez me voir après. Voilà tout simplement. Allez, on va partir sur un BP dortoir principal, hein, avec la compo de base qui a été choisie, Wenné, Puce, Goyo, Jacker Bandi, Maverick, EQ, Ibana, Sofia et Eger. Peut-être il va y avoir le 6ème choix qui va être choisi ou pas. Delta, empêcher Alpha de désarmer vos bombes. J'ai pas dit que tu jouais CS, mais bon, est-ce que t'es en direct là avec nous là, en train de jouer sur cette map Oregon? Non. Y a plus à t'inquiéter pour les grenades. Putain, les gens, ça parle pour rien dire en vérité. C'est un truc de... Mon dieu. Il reste 10 secondes. 5 secondes avant insertion. Allez, c'est parti. On a 6-3 sur le score, hein. Attention, hein. Tout n'est pas encore gagné. Comme vous pouvez voir les rapports de kill. Il y a du taf, hein, de chaque côté. Ça marche au niveau des kills, hein, pas au niveau des scores. Jordan. Double en guerre. Je regarde pas vos commentaires, hein, pour information, je tiens à vous prévenir. J'ai la flemme de me retourner. Je sais pas ce que vous dites, mais bon, j'ai pas envie de savoir. Maverick. Maverick, hier, s'il adore s'amuser, je crois. Par Alpha. Façon, ça va extra vite de chaque côté, on est passé en 5v3. Allez, on va rester sur hier. C'est hier ce qui a pris des balles, ça peut prendre très cher, là on est passé en 5v2. Attention. Il reste toujours 1026, on va extra vite de 4v2, 4v1, attention le dernier joueur de la Storm qui se retrouve 1v4, c'est compliqué pour lui. Il peut le faire s'il veut. Et oui, voilà déjà le premier qui tombe comme une mouche. Le deuxième peut-être, s'il cherche un peu. Ça va être compliqué pour lui, et il prend très cher sur ce coup là. Attention, il a baissé, là on est passé à 1v2, attention c'est la pompe. 1v2. Ah, bien joué, là on est passé 1v1, attention ça va être un duel entre X Zeko, attention à ce qu'il va essayer de la revenge, essayer de le prendre très rapidement. Il n'y a pas eu l'information. Attention qu'il va essayer de tenter. Ça y est, l'information il est tombé, il reste toujours 20 secondes. Il n'a pas le choix et non, c'est des dommages, t'es bien tenté. Bien joué. J'ai rien à dire, Inix, entre guillemets. Voilà, sur un score de 7-3. On a vu le petit... là, c'était le match aller. Et après, il y a le retour, n'oubliez pas. Tout n'est pas fini.
On peut toujours revenir sur le score. GG à tous. GG Volpen. Ça va, mon hit. T'es quel grade? On m'a dit sur le live, t'étais P1. Qui? Ton collègue là, Stone, Manhid, qui est pas gradé? Ah, de l'autre équipe? Ouais. C'est Memphis, hein. Ah, je sais pas. Hein. Tu dis Manhid, c'est qui Manhid? Si tu dis hémorroïde, on comprend hop, gros. Ouais, j'étais voir tes stats, t'es hors 1. L'ancien saison. Je suis désolé, hein, moi je regarde les grades. J'ai pas joué l'ancien saison. Quasiment pas joué. Bah, ça fait rien. En tout cas, GG à vous, il faudra que vous programmez le match de retour. Yes. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, bonne soirée à vous. Tu veux venir, Coco?